savez ton voisin, ta voisine. Aide-moi le mieux, bienvenue dans la présence de Dieu. Aide-moi le mieux, bienvenue dans la présence de Dieu. Va m'aider sa mère. Seigneur, que la présence de Dieu n'est pas équivalente à une présence humaine. Amen, amen. Fait que je n'ai pas de vie dans ma vie là où la présence de Dieu a laissé une personne inchangée. Vous avez compris? Lorsqu'il y a la vraie présence de Dieu, la première chose, les vies sont transformées. Quelqu'un me saisit? Je disais que lorsqu'il y a la vraie présence de Dieu, la première chose, les vies se transforment. Pourquoi je dis ainsi? En fait, la Bible dit que Dieu est omniprésent. Dieu est partout. Amen, amen. Mais je veux nous souligner quelque chose. Dieu ne se manifeste pas partout. Il est dit dans le livre d'Ésaïe, cherchez Dieu pendant qu'il s'y trouve. Amen, amen. On ne peut que chercher quelque chose lorsque la chose n'est pas. Quelqu'un me comprend? Or, la Bible dit que Dieu est omniprésent. Donc, Dieu ne peut pas le chercher. Mais pourquoi est-ce qu'on doit le chercher? Parce qu'on doit chercher l'endroit où Dieu se manifeste. Et je viens parler à une personne dans ce lieu. Que ce lieu, c'est un endroit où Dieu va se manifester dans sa toute puissance. Quelqu'un ne m'a pas compris. Écoutez-moi, frères et sœurs. Dieu va étonner quelqu'un en ce lieu. Je disais ceci. Dieu va étonner quelqu'un dans ce lieu. En fait, les messieurs, du point de vue normal, logiquement parlant, je vous assure que vous n'êtes pas le bienvenu en ce lieu. Parce que les choses que Dieu va produire en ce lieu, ça va tellement vous estomaquer en telle enceinte que vous allez scandaliser. Écoutez, lorsque Dieu produit des signes, des miracles et des prodiges, le peuple doit rester scandalisé. Et je viens rassurer à une personne en ce lieu que la présence dominante de Dieu en ce lieu touchera ta vie et affectera ta vie. Je pensais que je parlais à une personne. Après un temps, je vais tout donner. Et ça, où tu viens, je dirais que je vais tout donner. Ça commence maintenant. Je dis que tu étais venu en cellule pour que ta vie change. Qui était venu en cellule pour que ta vie change? Qui était venu en cellule pour que sa vie change? Je vais te dire que ce n'est pas l'être qui changera ta vie. Celui qui changera ta vie s'appelle Yehoshua HaMashiach. Je disais que celui qui changera ta vie s'appelle El Shaddai Elohim. Motiver la foi d'une personne en ces lieux. Écoutez, frères et sœurs, la sœur Sarah n'est pas là. Ou la sœur Evie. Elle n'est pas. La sœur Evie est là. Ma maman, venez s'il vous plaît. Est-ce qu'on va parler pour les enfants? Il a la parole que la foi ne vient que de son enfant. De son enfant. La parole du Seigneur. Sois maman. Réellement. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Et je voulais témoigner via ma soeur, notre cadette. Elle était malade, c'est un prépanon. Elle a fait ses crises, je ne veux pas dire habituellement. Selon le médecin, c'est normal, ça arrive. Elle était hospitalisée, elle a fait une semaine, on lui a fait sortir.
je devais aller chercher de l'argent à la maison pour venir payer l'hôpital. Je suis venue payer l'hôpital. On nous a libérés à l'hôpital. On marchait pour aller chercher le transport et venir à la maison. On est arrivé presque à l'arrêt. Je vis ma sœur était en train de marcher. On marchait, on causait. Elle m'a dit à la fin, je lui ai dit, bon, attends, je t'achète le cake ici et le jus. J'ai acheté le cake, on marchait. Je vis pendant qu'on marchait, elle a essayé de trébucher. Moi, je croyais que c'était de l'aventure. Elle m'a dit, elle a connu une maman qui était devant nous. La maman a regardé. Mais moi, là, où tout il y a, j'ai dit à la maman, non, excuse-nous. On a continué notre marche. Troisièmement, pas, elle a trébuché encore. Je l'ai regardé, Sarah, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, non, il n'y a rien, il y a lui, on continue. On a essayé encore d'avancer. Je vis subitement, elle est tombée. J'étais émotionnée, je ne savais pas quoi faire. Je l'ai regardée, Sarah. Elle ne parle plus, elle ne bougeait plus. Je ne savais pas quoi faire. Moi, je croyais comme si c'était de l'aventure ou comme si je rêvais. Je dis, Sarah, arrête de faire ça. Elle était là. Elle ne parlait pas, elle ne bougeait pas. Exactement, la maman que Sarah avait connue avant, elle m'a pris, elle m'a dit, non, retournez vite à l'hôpital. J'ai dit, non, au nom de Jésus, je chasse tout esprit méchant, on va rentrer à la maison. La maman m'a dit, les enfants, retournez vite à la maison. Il y a une de mes soeurs qui était là, elle a pris Sarah au dos, elle est rentrée vite à l'hôpital. À rentrer à l'hôpital, le médecin, soignant de Sarah, il était vraiment étonné. Vous êtes encore revenu? On a pris Sarah, on l'a amenée dans le cabinet du docteur. Le docteur m'a dit, sors. Je suis sortie. Sarah ne bouge pas, Sarah ne parle pas. Oui, c'est vrai, bien aimé, quand on demande de prier, il faut prier. Parce qu'il y a un certain moment, tu ne sauras pas comment chasser les esprits, glorifier les bons dieux, dire quoi. Donc je ne savais pas quoi dire. Je suis sortie, ma sœur était là couchée. Le médecin m'a dit, il sort, parce que c'est un médecin qui soigne Sarah depuis qu'elle était bébé. Je suis sortie, je suis allée dans le couloir. C'est la première fois que je vois le médecin prendre, comment dirais-je, tensiomètre. L'infirmière était là, donc ils étaient au nombre de 4 personnes. On a essayé de réanimer Sarah. Pendant qu'on réanimait Sarah, moi, on m'a dit de sortir. On a hier rencontré beaucoup de choses, je panique souvent. Je dis, Seigneur, soutiens-moi parce que je ne sais pas quoi faire. À la maison, notre maman attendait qu'on rentre à la maison. On était en train de passer des temps pour qu'elle revienne à la vie, avec rien. Directement, le laboratoire qui est venu, elle a pris, le docteur a dit, il faut regarder l'hémoglobine. La dame est venue, elle a regardé, elle sort. Elle dit, docteur, l'hémoglobine, c'est 3%. 3%. Je dis, Seigneur, Sarah ne parlait pas. Elle était inconsciente. Je suis sortie, je priais, mais je ne savais pas quoi dire à ce moment-là. Le docteur, un des docteurs est sorti, je l'ai vu. Je suis allée directement le coller dans les habits. Docteur, c'est où est Sarah? Le docteur, il bégayait, il ne savait pas, il cherchait à me parler. Elle faisait ça et il faisait ça, moi j'étais partie. J'ai dit, docteur, où est Sarah? Il me répond, attends, va chercher seulement le sang. C'est la première fois que je vois ma soeur qu'elle reste avec 3% de sang. On m'a amené l'échantillon. Je suis sortie. C'était la première fois que je prends la moto. C'était à ma campagne. Je suis sortie. Je suis marchée. Il n'y avait pas de taxi. Je suis arrivée jusqu'à Bangala. L'avenue Bangala à Kitambo. Je vis à moto. Je suis montée. J'ai appelé ma soeur qui vient après moi. Je dis à Heidi, viens. Il y a un problème. Ma sœur, elle s'est fâchée. Mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, viens, Sarah. Il lui reste que 3%. Viens vite. Ma sœur a commencé à se fâcher. Elle me dit, non, c'est impossible. Comment ça peut se passer comme ça? Non, si les gens cherchent que Sarah ne revienne plus à la maison, Sarah va revenir. Je lui dis, c'est pas question de s'énerver. Toi, viens, Sarah. Je suis arrivée à Kitambo, maternité. Il y a un manque du sang là-bas. Il n'y avait pas de sang. Je suis allée à l'autre hôpital général de Kitambo. Je suis allée chercher du sang, il n'y avait pas de sang. Pendant ces moments, ma soeur ne parlait pas de l'eau.
bouche. Je n'ai pas utilisé que 3%. Je suis sortie, je suis allée à Bandal. Il n'y avait pas de son. J'ai pris le taxi que j'avais pris, c'était le moment de passer parce que j'avais perdu le contrôle. Je suis allée à Mama Yemo, il n'y avait pas de son. Je suis allée à Kalembele, mais à Kalembele, il n'y avait pas de son. J'ai quitté maman et moi, chaque fois quand je donnais le papier et l'échantillon, quand le laboratoire regardait 3%, non, ma soeur, sois forte, mon Dieu va t'aider. J'ai appelé, pendant que je partais, j'ai appelé le prophète Jonathan. J'ai essayé d'appeler le cordon. Son téléphone sonnait, mais il ne décrochait pas. J'ai appelé le frère, le prophète Jonathan. Je lui ai dit, regarde ce qui se passe. Il m'a dit, ma soeur, tu as l'argent avec toi. Je dis oui. Prends l'argent là que tu vas acheter du sang. Je vais prier pour ça. Je vais prier pour ça. Il a prié, il a déclaré. Mais j'avais toujours peur. Étant comme imam, je suis allée à ma mère quand on m'a dit qu'il n'y avait pas de sang, j'avais perdu de soi parce que j'étais trop sûre de trouver du sang à ma mère comme sur l'hôpital général. Je suis sortie, je dis, ben, lorsque je ne veux pas aller trouver du sang, on m'a dit, il faut aller à Mère et Enfant à Babumbu. C'était la première fois aussi que j'arrive là-bas. Quand je suis arrivée là-bas, je devais prendre 3 poches de 450 millilitres, On m'a dit non, ici on a seulement 2 poches. Mais moi j'avais besoin de, pas du sang complet, mais j'avais besoin plutôt du globule rouge pour qu'on lui donne. J'oubliais une partie. Avant que je ne sente qu'on m'a donné l'échantillon, je suis allée, je dis non, je ne sors pas. Je suis allée à l'oreille de ma petite soeur, je dis Sarah, tu vivras et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Je suis allée chercher du sang. Je disais quand je veux revenir, je vais te trouver en vie. Et Dieu avait exaucé cette prière. Je trouvais du sang. Je n'avais pas trouvé ce que je cherchais. Mais comme on avait besoin du sang, je devais savoir prendre ce que j'avais trouvé. Je suis revenue, chose étonnante, je trouvais Sarah en train de parler. On n'y avait pas encore trouvé. Le diable n'est qu'un mortel. Ça a commencé. Si on le transmise aujourd'hui, demain on le transmise. Si on le transmise aujourd'hui, demain quand on regarde le sang baisse. Je n'avais pas perdu la foi. Et je m'étais accrochée avec les hommes de Dieu. Je dis non, je vais appeler le nom tous les hommes de Dieu que je sais. Bako Talikamboyo, comme ça. Oyazo Lukavana, Akosuka. Et puis c'est vrai, Asukaki. Sarah, elle est en vie. Elle est en bonne santé. Et je bénis le bon Dieu pour ça. Amen. Quelqu'un m'a pas compris. Je dis, je suis venu comme le chandelier, hein, qui ne fait que prier pour te présenter le pain. Quelqu'un va se rassasier ce soir. Les 7-13 de Samson. Frère, je dis que quelqu'un va manger pain et il sera rassasié. Je ne parle pas de la journée. Je parle du vrai pain. Hein? Le pain de vie. Je veux te communiquer le pain, tu vas manger, tu seras rassasié. Je disais que je veux te communiquer le pain, tu vas manger, tu vas rassasier. Faites, j'aime beaucoup le chandelier. Gordon Michel. Ça craint de prêcher devant vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'aime beaucoup les chandeliers. Fait, le rôle même du chandelier dans l'éternel n'était que simplement pour éclairer quoi? Les pas de proposition. Amen, amen. Amen, amen. J'aimerais te dire quelque chose. Toute lumière qui ne t'amène pas vers Christ n'est pas une lumière. Toute parole qui ne te présente pas Christ n'est pas une parole. Je ne parle pas de l'écriture. Fait, la parole, quand on parle de la parole en question, ce n'est pas la Bible. La Bible, c'est l'écriture. Il est dit dans Jean hein, qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Ce n'était pas au commencement était la Bible. L'écriture parle de la parole. La parole, c'est Christ, Jésus-Christ, le pain que je te présente ce soir. C'est ce même pain-là que le prophète Jérémie venait de dire tout à l'heure. La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux. Après un temps, tu verras moi, tu la retrouveras. Mais ça, c'est encore Christ et Dieu le Père.
le sang synonyme de la terre. Les pères devaient jeter Jésus-Christ. En fait, faisons résonance ensemble. Je prends le pain, je jette dans l'eau. Est-ce que je vais le retrouver? Ça va se décomposer. Mais Dieu le Père a jeté son fils à la terre. Dieu le Père a jeté le pain à la surface de l'eau. Il est dit qu'au commencement n'était que l'eau. Okay? L'eau ne remplissait toute la surface de la terre. L'eau qui représente la terre. Dieu jette Jésus-Christ sur la terre. Et après un temps, la terre n'a pas pu contenir ses pas. Dieu le Père l'a retrouvé. Et aujourd'hui, il est à la droite du Père. Et il intercède pour une personne ce soir. C'est ce pas que je viens te présenter ce soir. Je disais que c'est ce pas que je viens te présenter ce soir. Lorsque tu as le pas, tu as également les miettes. J'aime dire cela. Lorsque j'ai les pas, ce n'est que normal que j'ai les miettes. Rappelez-vous de l'histoire de cette femme qui était en train de chercher la guérison de sa fille. Elle dit au maître, maître, même le chiot mange les pains qui tombent. Cette femme fait une parallélisme entre la guérison de son enfant et les miettes. Quelqu'un me saisit? Quelqu'un me saisit? Hein? Mais toi, aujourd'hui, tu n'es pas venu pour les miettes. Parce que à vrai dire, là où il y a le pain, normalement, il doit y avoir des miettes. Là où Jésus-Christ est prêché, normalement, il doit y avoir des dons spirituels. Parce que la femme n'avait que besoin de dons de guérison. Quelqu'un me comprend? Il a dit, je n'ai pas besoin du pain, j'ai besoin que de miettes. Mais moi, ce soir, je viens te présenter le pain. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis que ce soir, je viens te présenter le pain. Ce n'est que normal que tu vois des miracles se produire en ces lieux, parce que ce n'est que le miettes. Ce n'est que normal que tu vois des guérisons authentiques se produire en ces lieux, parce que ce n'est que le miettes. Ce n'est que normal que tu entends des paroles de connaissance que tu n'as jamais entendues depuis que tu es né, parce que ce sont toi des miettes. Dis avec moi des miettes. Dis avec moi, je ne suis pas un chien ou une chienne. Hein, moi je veux le pain. Dis bien moi je veux le pain. Dis bien moi je veux le pain. Dis bien moi je veux le Seigneur. Dis moi je veux Jésus. Parce que si j'ai Jésus, les miettes ne suivront. Dis avec moi si j'ai Jésus. Les miettes me suivront. Amen, amen. Amen. Lisons la Bible. Juge 13, 2 à 5. Quelqu'un va m'aider à lire Juge 5, 13, 2 à 5. Juge 13, verset 2, verset 5. Or, il y avait un homme de Tchoréa, de la famille de Dan, à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as jamais eu d'enfant, mais tu concevras et tu enfanteras un fils. Prends donc bien garde dès maintenant de ne boire ni vin, ni liqueur forte, et de ne manger aucune chose impure, car voici, tu vas être enceinte et tu apprendras un fils. Les rasoirs ne passeront pas sur sa tête, parce que l'enfant sera nazinéen pour Dieu dès les ventres de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main de Philistin par le Seigneur. Après cela, il y aura une femme dans la vallée de Sorek. Elle s'est nommée Delila. Et comment pourrions-nous les vaincre? Et nous les lierons pour la battre, nous les donnerons chacun 1100 sicles d'argent. Amen. Lis avec moi également Exode 27, 20 à 21. De l'huile d'olive vierge pour le luminaire, afin de faire luire le lampe continuellement. Aaron a été. Mon dernier texte, Actes des Apôtres 2, 1 à 3. Actes des Apôtres, chapitre 2, 1 à 3. Et quand le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous d'un corps et d'accord dans un même lieu. Tout à coup, il s'est fit un bruit du ciel, comme celui d'un vent qui soufflait avec violence. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et verset 3. Et il leur apparut des langues séparées, comme le feu qui se posait sur chacun d'eux.
Le dernier verset, nombre 6. Ce Samson et le sous-thème de ce soir, c'est les mystères du chandelier d'or. Amen. Dis avec moi le mystère du chandelier d'or. Ici, la Bible est en train de nous parler de Samson. J'aimerais épingler quelques points avant que nous puissions enseigner ces choses. Frères et sœurs, le diable n'est pas un aventurier. Le diable sait ce qu'il poursuit. Amen. De la même manière que nous, nous avons un but, le diable également a un but précis où il sait frapper. Amen. Parce que au fur et à mesure, nous autres, que le diable est un aventurier, il ne sait pas ce qu'il fait. Non, non. Le diable sait exactement ce qu'il fait et il a un but, donc il est à la poursuite. Dans l'histoire que nous avons lue, ça nous parle de Samson. Samson qui était un des juges en Israël. En fait, lorsque Josué est mort, les peuples n'avaient plus de libérateur. Alors Dieu a commencé à envoyer des juges en Israël. Amen. Qui est en train d'exercer la fonction de roi et en même temps la fonction de juge, soit des libérateurs. Donc, c'était des personnes que Dieu était en train de choisir. Il était en train de choisir en même temps pour qu'ils puissent exercer la fonction de roi et en même temps la fonction de libérateur. Amen. Et parmi ces juges, il y a Samson. Mais ce que j'aime beaucoup chez Samson, Samson n'est pas venu sur la terre comme tout autre juge. Amen. Amen. Samson n'est pas venu sur la terre comme tout autre juge. Il n'y a que parmi les 12 juges, il n'y a que Samson et les derniers juges, Samuel, qui sont venus sur la terre d'une manière spéciale. C'est-à-dire, leur venue sur la terre a été précédée par un ainsi dit l'Éternel. C'est-à-dire, Dieu était en train de dire avec précision ce qu'ils viendront faire sur la terre. Quelqu'un me comprend? Dieu est en train de donner même les motivations de leur venue sur terre et ce qu'ils devraient réellement faire sur terre. Pendant que d'autres juges, mais eux, Dieu avait parlé autrefois. Et une chose encore très bizarre, c'est que Samuel et Samson sont nés de femmes stériles. Quelqu'un me comprend? Samuel et Samson sont nés de femmes stériles. Samuel, c'est le dernier juge en Israël. Et Samson, un des juges en Israël. Amen. Mais ce que j'aime beaucoup, chez Samson, avant de venir sur terre, l'ange apparaîtra à sa mère. L'ange dira à la mère de Samson certaines ainsi l'Éternel. En lui disant, tout ce que nous avons lu, tu ne prends pas rien d'impur. Tu ne prends pas de boisson alcoolisée. Afin que la consécration de l'enfant soit atteinte. Parce que la Bible dit que l'enfant devrait naître consacré. Quelqu'un me dit consacré. Faites, nous allons parler, nous serons toujours autour de la consécration. Nous allons essayer de tourner autour de la consécration. L'ange dit que l'enfant est consacré. Alors, tu ne dois pas prendre de boissons enivrantes. Alors, tu ne dois rien prendre d'impur afin de quoi? D'affecter qui? L'enfant que tu portes dans ton sein. Amen, amen. Parce que, à titre d'information, Samson était un Nazirea. Quelqu'un me dit Nazirea. Nous avons lu dans le livre de Nombre où la Bible est en train de parler de feu de Nazirea. Il y a ce qu'on appelait le feu de Nazirea. Il y a des personnes qui étaient en train de faire le feu de Nazirea qui étaient à vie, à perpétuel. Donc, ils ne coupaient jamais le cheveu, ils ne prenaient pas de l'alcool, ainsi que de suite. C'est ce qu'on appelait le feu de Nazirea. Et Samson faisait partie de ceux qui étaient de Nazirea. Amen. Amen. Je veux qu'on me suive très bien. Ce que j'aime également sur Samson, Samson était le choix de Dieu. Dieu avec moi le choix de Dieu. Samson était le choix de Dieu. Il portait les regards et la faveur de Dieu. Hein? Il portait les regards et la faveur de Dieu. De la même manière que la Bible dit que nous également nous sommes le choix de Dieu. Amen. Avant que je puisse continuer, je voudrais dire à une personne que tu n'es pas un accident sur la terre. Je disais que tu n'es pas un accident sur la terre. Peu importe que tu passes, peu importe que les gens te qualifient, je te dis que tu n'es pas un accident sur la terre. Ta venue sur la terre a été bien calculée par le Seigneur.
ta venue sur la terre a été très bien calculée par le Seigneur. Alors n'entends pas ce que les gens disent de toi, mais entends ce que le ciel dit de toi. Amen. Et le ciel dit de toi ce soir que tu es le choix de Dieu. Quelqu'un m'a pas compris, je disais que le ciel dit ce soir que tu es le choix de Dieu. Amen, amen. Tu es le choix de Dieu. La faveur de Dieu est également sur ta tête. Amen. J'aime également une autre chose chez Samson. Samson, choix de Dieu. Amen. Cette stress. Samson, choix de Dieu. Amen. Cette stress. C'est ici que nous allons commencer notre message. Je disais tantôt que le sous-thème de ce soir, c'est le mystère du chandelier d'or. Les chandeliers étaient également une porte-lumière qui était dans le tabernacle, en fait, dans la temple, dans le temple d'assignation. On avait ce qu'on appelait les parvis, le lieu saint et le saint de saint. Amen. Amen. Ah, je disais que dans le tabernacle, il y avait ce qu'on appelle le parvis, le lieu saint et le saint de saint. Et le chandelier s'est trouvé où c'est? Au lieu saint. Amen, amen. Et le chandelier s'est trouvé au lieu saint. Mais ce que j'aime également au chandelier, les chandeliers avaient sept lampes. C'est ça qui me dit. Les chandeliers avaient sept lampes. Et Dieu dit à Moïse et à Aaron, vous mettrez de l'huile afin que la lumière puisse briller du matin jusqu'au soir, que la lumière ne s'éteigne pas. Quelqu'un me comprend? Que la lumière ne fasse quoi? Ne s'éteigne pas. Là, c'est ce que Dieu dit à Moïse et à Aaron. Chandelier qui devait également resplendir en lumière. Mais également, Samson a un nom qui signifie le soleil. Samson signifie petit soleil. Également, Samson était venu sur la terre pour donner la lumière. Quelqu'un le saisit? Parce que, en fait, Samson était venu sur la terre parce que les Philistins ont commencé à oppresser les Israélites. Et le Seigneur a envoyé Samson. C'est-à-dire, l'Éternel avait remarqué du ténèbre dans son corps et il devait envoyer la lumière pour que son peuple soit sauvé. Quelqu'un le saisit? De même manière, dans le tabernacle, il y avait de l'obscurité. Mais on devait placer dans le tabernacle le chandelier d'or qui possédait sept lampes afin que ce chandelier fasse quoi? Brille. D'où je dirais ceci. La force du chandelier n'est pas que, n'est pas sur les années qui nous étaient, mais sa force résidait à la lumière qu'elle resplendissait. C'est-à-dire, si on éteint la lumière du chandelier, le chandelier n'est plus chandelier. Parce que la valeur même du chandelier, c'est par rapport à la lumière. Quelqu'un me saisit? La valeur même de Samson, c'est par rapport à la lumière qu'il fournit. Samson, sept détresses. Le chandelier, sept lampes. Samson porte du nom du petit soleil. Le chandelier également porteur d'un nom qui donne la lumière. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me saisit? Quelqu'un me dit un grand amen? Ah, je vais entendre un grand amen. La force de Samson venait de ses sept tresses. C'est de cette même manière que même la force du chandelier résidait à la lumière qui devrait constamment briller dans la temple d'assignation. Samson pouvait accomplir le miracle. Samson pouvait déchirer le lion par rapport à quoi? Par rapport aux tresses qui restaient sur ses cheveux. Parce que même quand Elina lui pose la question, il lui va révéler sa, en fait, en lui disant que ma force vient de moi, de mes cheveux. J'aime aussi Elina. Parce que depuis que Samson est né, juge 13, jusqu'au juge 16, on n'a jamais dit que Samson avait ses tresses. La personne qui révèle la révélation que Samson avait un ses tresses, c'est Delila. Hein? La personne qui révèle que Samson avait ses tresses, c'est Delila. Or, c'est là qu'il y a un mystère. Frères et sœurs, je disais, c'est là qu'il y a un mystère. Pourquoi Samson devait avoir ses tresses? Pourquoi on coupe cette tresse qui perd de force? Qu'est-ce que sa force a à voir avec les tresses?
son ennemi ne doit pas s'éteindre. Vous devez constamment mettre de l'huile afin que la lumière brille continuellement. J'aime Dieu. Je ne suis pas prophète de ministère, mais je sens des choses. Vous devez, un à bien, je sens des choses. Je vous avais dit que si la parole est prêchée, tout devient du fruit. Je sens des choses. Merci, Esprit. On va parler. Amen, amen. Je disais tantôt que c'est significatif également de la plénitude. La Bible nous parle dans le livre de Ésaïe que Dieu est porteur de cet esprit. Apocalypse nous parle dans deux versets que j'ai vu. Il parle de cet esprit qu'on nous parle même dans le livre d'Apocalypse. C'est-à-dire que Dieu, porteur de cet esprit, esprit de sagesse, intelligence, ainsi de suite. Donc, je peux tout le monde comprendre, même bibliquement par là, que le chiffre 7 est un chiffre qui signifie quoi? La plénitude de l'esprit. Chiffre 7, significatif, la plénitude de l'esprit. C'est comme nous, notre force dans le travail vient de l'esprit de Jésus. Écoutez, notre force dans le travail plutôt vient de l'esprit de Dieu. C'est pour cela, Jésus était très sage. En disant aux disciples, ne partez pas. Hein, Samson, ne pars pas d'abord tuer les lions. Attends d'abord le chemin, qu'il ait cette tresse, qu'il ait la plénitude sur ta tête. Parce que, en fait, quand on parle de l'huile dans le chandelier, l'huile c'est l'esprit. Lorsque l'huile est continuellement mise, ce n'est que normal que la lumière luise. Or, j'ai parlé de la lumière comme la force. Il y a sept. Également, l'huile est en train de remplir cette lampe. Ce n'est que normal que la lumière brille et que la force soit visible. Quelqu'un me comprend? Dieu dit aux disciples, attendez d'abord. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins. C'est-à-dire quoi? Avant même de parler de la part du Seigneur, avant de devenir réellement un témoin légal du Seigneur, tu dois d'abord avoir la plénitude de l'Esprit en toi. Quelqu'un me comprend? Tu dois avoir la plénitude de l'Esprit en toi. Mais nous ne sommes pas comme Samson. Nous ne sommes pas comme Samson. Samson, sa force se résidait dans cette tresse-là. Ok? Bon, on a coupé ses sept tresses également, il a perdu sa force. Mais j'aime beaucoup ma Bible. Ma Bible me parle dans le livre des Actes des Apôtres. Que lorsque le baptême de l'Esprit fut accompli, je parle du Pentecôte, la Bible dit qu'on a vu quoi sur la tête des disciples? On a vu quoi? Des flammes de feu. Où c'est? À la tête. Je pars quelque part. La Bible dit que lorsque l'Esprit est descendu, on a vu le feu apparaître sur la tête des disciples. Or, je nous ai dit que Samson également signifiait qui? Petit soleil. Qui devrait amener quoi? La lumière. Nous ne sommes plus dans le temps de Samson. Nous ne sommes ceux qui sortent de Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus également pouvait nous dire, vous êtes la lumière de la terre. Samson, s'il signifiait petit soleil, mon Jésus s'appelle le soleil levant. Le soleil de la justice. Je disais que mon Jésus s'appelle le soleil levant. Le soleil de la justice. Moi, je ne sors pas du petit soleil, mais je sors du soleil levant. Amen, amen. C'est bien que normal que moi aussi, que je fasse quoi? Que je brille. Quelqu'un me comprend? C'est bien que normal que je fasse quoi? Que je brille. Oh, je l'aurais dit à une personne. Que ta lampe a été allumée depuis la Pentecôte. Quelqu'un ne me comprend pas. Que ta lampe a été allumée depuis la Pentecôte. Je disais que ta lampe a été allumée à partir de la Pentecôte. Depuis la Pentecôte, la lampe a été activée. Amen.
La lampe a été activée. C'est maintenant à toi de faire quoi? De prier. Samson, porteur de la lumière, avec les sept tresses, qui signifie également la plénitude. Nous également, nous avons la plénitude de l'esprit. C'est pour cela le jour du baptême du Saint-Esprit, on pouvait également voir des flammettes de feu sur notre tête, en train de faire quoi? De prier. En train de faire quoi? De prier. Oh, frères et sœurs, j'aimerais te dire que nous ne sommes pas dans la même dispensation que Samson. Si Samson c'était les tresses, si Samson c'était les tresses qui représentaient la lumière, bon, j'aimerais dire qu'à la Pentecôte, ce n'est plus les tresses. Mais la Bible dit, comme de flammes de feu. Je disais que comme de flammes de feu. Je disais tantôt que comme de flammes de feu. Si Samson autrefois était des tresses, nous ce ne sommes plus des tresses. Mais nous c'est le Saint-Esprit qui réside en nous. Nous c'est l'Esprit de Dieu qui réside en nous et dans toute la plénitude. Je parle à une personne dans ce lieu. Je dis que si Samson dans sa dispensation, il devrait avoir le sept tresses. Nous ce n'est plus question de sept tresses. Mais sous nous, c'est question de l'Esprit de Dieu, avec sa toute-puissance, avec sa plénitude renfermée, venir et habiter en nous. Le Seigneur a dit que si je vis, plutôt ça n'a pas dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si c'est Christ a été revêtu de l'Esprit Saint, ma Bible me dit ceci dans le livre de Luc, que Jésus monté à la montagne était rempli de l'Esprit. Mais lorsqu'il est descendu de la montagne, il était revêtu de l'Esprit. Maintenant, c'est même Jésus revêtu de l'Esprit. Vis en moi. Ce n'est que normal que j'aie la plénitude de l'Esprit. Ce n'est que normal que j'aie la plénitude de l'Esprit. Vis avec moi, plénitude de l'Esprit. Tu viens plénitude de l'Esprit. Dis bien plénitude de l'Esprit. Je me réunis qu'en Christ, nous sommes chandeliers. En Christ, nous sommes des chandeliers. Jésus-Christ a dit, la lampe qui est allumée, on ne la mettra pas sur la table, mais on la posera sur la table. Afin de faire quoi? De prier. Afin de faire quoi? De prier. Oh, je viens déclarer dans la vie d'une personne, prie dans tes finances au nom de Jésus. Tu es un chandelier, prie dans tes finances au nom de Jésus. Que les ténèbres ne t'éloignent pas au nom puissant de Jésus. Je viens te rappeler que tu es une lumière. Et dit lève-toi et brille. Et dit plutôt lève-toi, sois éclairé et brille. Je viens te dire ceci comme un prophète de Dieu. Que le temps est arrivé que tu brilles. Dans ton université, brille. Dans ton ministère, brille. Dans tes finances, brille. Dans ta vie conjugale, brille. Dans tes relations, brille. Dans tout ce que tu veux, brille. J'ai connu toute sorte de ténèbres dans ta vie. J'ai maudit toutes sortes de ténèbres dans ta vie au nom de Jésus. Les ténèbres ne viennent pas de Dieu. Les ténèbres ne viennent pas de Dieu. Homme de Dieu, je veux vous sauver. Les ténèbres ne viennent pas de Dieu. Les ténèbres ne viennent pas de Dieu. J'ai dit dans ton ministère, brille. J'ai dit dans ton ministère, de la lumière, brille. Dans ton ministère, tu sors de l'anonymat au nom de Jésus. Si des choses étaient cachées, au nom puissant de Jésus, tu sors de l'anonymat ce soir. Si tes finances étaient dans les ténèbres, au nom puissant de Jésus, tes finances entrent dans la lumière au nom de Jésus. Je suis un chandelier. Dis avec moi, je suis un chandelier. Je dois prier. Je dois prier. Homme de Dieu, que Dieu bénisse. Homme de Dieu. On va aller plus vite, on va aller plus vite. Herman nous dit quoi? Herman, c'est votre nom. Elle met sur le micro. Herman, c'est votre nom. Mais pourquoi j'entends le nom de la femme du prophète Joël consiste à tout? C'est Ina. C'est qui c'est Ina? C'est Ina? C'est votre fille? C'est votre fille?
j'entends comptabilité IEC. J'entends ton collège Saint-Georges. J'entends. Nadine, c'est notre femme. Yes. Le Seigneur te dit ceci pour vous. Yes. Si nous sommes prophètes de Dieu, yes. Si Dieu nous connaît, yes. Je dirai les choses que tu verras dans moins de 2 ans. Yes. Je suis en train de voir une personne qui a un cœur pour servir Dieu. Yes. Une personne libéralement qui donne aux hommes de Dieu. Yes. C'est-à-dire que tu as eu à donner des très grands montants. Yes. Point de vue tout compte bancaire et tu as. Yes. Le Seigneur m'a dit qu'il est en train de vous rédimer ce soir. Amen. Si on va citer les millionnaires dans ces pays, on citera votre nom. Bonsoir. Si je suis un prophète de Dieu, parce que je le suis, quand on citera des millionnaires dans la ville de Kinshasa, on citera votre nom. Je reçois. En vous voyant, je suis en train de voir le prophète Kimimbaya. Yes. Il est en train de parler sur Epikaïso. Yes. Et lorsqu'il parle de Epikaïso, tu as pris ce nom et tu l'as accaparé dans ta vie. Le Seigneur vous connaît en détail et même jusqu'à la moelle épinière. Je suis en train de proclamer et de prophétiser dans ta vie que votre vie financière change. Pendant que j'étais en train de parler, que la lumière est en train d'entrer dans la vie financière, j'avais une forte lumière tomber dans votre vie. Et le Seigneur m'a dit qu'il est temps que la lumière va jaillir très fortement dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. On acclame pour le Seigneur. Je ne t'oblige pas. C'est comme ça que c'est le diable.
venir en toi. Dis avec moi, Sorek. Dis bien Sorek. La Bible dit, Samson est allé aimer une femme qui sortait de la ville de Sorek. J'aime ce verset. Sorek, qui veut dire le vin nouveau, le vin meilleur. Samson, tu es Nazirea. Tu as oublié dans le livre de Nombre. Non, non, même pas Nombre. L'ange est apparu à ta maman. Il a dit à ta maman, il n'y a pas rien de plus. Pas de vin. Pourquoi? Parce que l'enfant sera affecté. La consécration de l'enfant sera atteinte. Délibéralement, tu choisis un produit qui sort du vin meilleur. Aujourd'hui, tu commences un peu à essayer de voir. Sorek va te tuer. Parce que dans Sorek, il n'y a que des liens qui peuvent sortir. Dans le vin nouveau, il n'y a que la chair qui peut sortir. Des liens qui signifient ton être, qui signifie la chair, qui signifie le moi. Sa foi de Dieu, choix de Dieu. Je nous ai dit que nous tous, nous sommes le choix de Dieu. Certes, mais écoute-moi, Delila va te tuer. Lorsque tu t'attaches, sache que tu vas éteindre le feu en toi. Frère, n'hypothèque pas ta destinée à cause du produit de sang. Sorek te présentera des miracles. Qu'est-ce que tu fais à Sorek? Pourquoi as-tu changé de temps aujourd'hui? Tu avais dit, vous n'épouserez pas étrangère. Mais qu'est-ce que tu es allé faire à Sorek? Sorek, le vin nouveau. Samson, rappelle-toi de ce que Dieu t'avait dit. Ce soir, je viens parler aux hommes de Dieu. Père, un homme de Dieu n'est pas seulement celui qui prêche. Il est dit que si Jésus, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Jésus est moi également, je suis moi. Mais frère, rappelle-toi de ce que Dieu t'avait dit. T'attaches à son équipe. Pourquoi aujourd'hui tu laisses la chair prendre le devant en toi? La Bible dit dans les dégâts que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Si la chair dit A, l'esprit dira B. Mais pourquoi attaches-tu à la chair? Tu es devenu trop extrémiste. Au moins, au combien de temps, est-ce que le sous-moi va commander la Bible? La Bible n'a pas tout écrit. Si la Bible se mettait à écrire les péchés, on aurait eu un gros livre là. Mais je sais, celui qui convainc le péché, c'est le Saint-Esprit. Tu vois, tu commences à dire ainsi parce que le Saint-Esprit, tu l'as éteint. Si le Saint-Esprit est allumé, tu n'as pas besoin de venir me poser la question, est-ce que comme il a ma sang, je le souffre. La lumière ne va là. Samson, fais garde. Il peut se faire que tu aies une après de toi. Mais pour la première fois, tu t'en sors. Pour la deuxième fois, tu t'en sors. Pour la troisième fois, tu t'en sors. Mais pour la quatrième fois, tu ne t'en sortiras pas. Parce que Delila va te tuer à petit feu. Delila ne te tuera pas du coup. En fait, le diable te fera comprendre que tu peux mélanger le vide de la chair et, la vie de l'esprit en même temps. Et tu iras bien. Le prophète Joël Francis t'a tout dit que le péché et l'onction peuvent cohabiter pour un temps, mais pas pour longtemps. Après un temps, tu verras un divorce éternel se produire. Homme de Dieu, tu as l'onction, tu as la grâce de prophétiser. Rien ne signifie que le feu brûle en toi. Rien ne signifie que le feu brûle en toi. Je répète, rien ne signifie que le feu brûle en toi. On commence à se cacher derrière la foi.
force que Dieu nous a donnée, mais en même temps en ayant des lignes après de nous. Prière continue. Après un temps, des lignes te tuera. N'hypothèque pas ton ministère à cause des lignes. N'hypothèque pas ton mariage à cause de ce que Sorek te donne. Sorek peut te dire, certes, je vais te marier, mais couche avec moi. Qui est la chair et des présents couche avec moi. Pour un temps, ça sera bien. Mais après, tu regretteras. Venez parler aux personnes consacrées en ces lieux. Consacration veut dire mise à part. Y a-t-il des personnes que le Seigneur a mises à part en ces lieux? Si le nom du Seigneur nous a mis à part, mais comment est-ce que nous nous comportons? Samson, tu as les sept tresses. Sept. Là, les coupera. Il y a d'autres qui sont vers le chemin du soleil. Il y a d'autres qui ont commencé déjà à bouffer à ceux qui sortent du soleil. Il y a d'autres qui ont déjà consumé les lilas. Satan te motivera. Écoutez, le diable t'explique ceci en fait. Diable veut dire passer au travers. Bolos veut dire frapper constamment de manière répétitive. Je répète, passer au travers et puis frapper constamment de manière répétitive. Satan passe au travers quelque chose, mais en répétant avec des points répétitifs. Jusqu'en tant l'enceinte que tu tombes. Je prie et je soupire à une génération de gens qui refuseront les produits des soleils. Je soupire à une génération de gens qui vont souffrir à chez nous pour Dieu. Mais qui vont dire non Seigneur, je refuse ce que soleil me présente. Soleil ne te présentera que la mort. Le chemin de Samson commençait à réussir. Le jour que le Seigneur m'avait donné ce message, le Seigneur m'avait dit plusieurs chemins en se levant repoussé. Si on l'a pour Seigneur, pour s'activer. Je soupire à une génération de personnes qui ne prieront pas seulement pour les mariages. Je vois tant de ceux qui viennent prophétiser la foi à ta mère. Mais quel jour tu seras amoureuse des choses de l'esprit. Je soupire à cette génération. Je soupire à cette génération. Je soupire à cette génération. Des personnes qui vont prier vers chez nous pendant deux jours de jeûne en train de prier.
consacré. La consécration n'a rien à voir avec l'onction, n'a rien à voir avec la puissance. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Ah, je connais plusieurs bêtises que je vais faire. Il faut que nous soyons hommes de Dieu. Je viens faire des bêtises aujourd'hui, mais les années, je pars, je prophétise la folie. Frère, que la grâce ne détrompe pas. Prie là où tu es, prie là où tu es, prie là où tu es.
yega hata. Imtosheva. Parce que derrière Minouche, il y a une personne qui le soutient. C'est Minouche, pas barrer le doigt, barrer ses plans.
Que cette onction ne te donne
aussi la capacité de marcher, parce que si tu marches, tu n'impressionneras personne. Mais sache, maintenant la capacité de voler, parce que si tu voles, tu impressionneras, parce que voler n'est pas lié à l'homme, n'est pas lié à l'homme. Que Dieu inaugure des choses surnaturelles.